rencontrer, nous mettions des milliers dans les rues de Bena et d'ailleurs, marchant ensemble pour défendre les valeurs qui nous unissent, militant contre le racisme, le fichage, la violence, l'intimidation et la peur. Parce que nous défendons la solidarité, l'intelligence collective, la dignité, l'égalité et la justice sociale, nous resterons unis et déterminés. Parce que ce sont ces luttes pour l'intérêt collectif que nous portons, au détriment de l'individualisme qui gangrène notre société. Chaque attaque contre lui ou l'un d'entre nous ne fera que renforcer cette solidarité. Et nous ne serons que plus nombreux. Rejoints par ces personnes qui voient si juste sous leurs yeux les dérives que nous dénonçons. Puisque nous avons, manifestation après manifestation, la preuve que les forces de l'ordre n'ont de cesse de défendre le pouvoir en place et les richesses qu'une minorité s'accapare. Se faisant de fait les gardiens de ce système autoritaire qui spolie le peuple non seulement de ses richesses économiques, mais aussi humaines, nous n'abandonnerons pas l'espace public qui est le nôtre. Et nous lutterons sans relâche, mettant nos libertés individuelles au profit de l'intérêt collectif.
été de protéger la population, ni de répondre aux besoins de millions de personnes. Ce que confirme la décision criminelle de ne pas rouvrir les hôpitaux fermés par économie, de ne pas former et embaucher de personnel soignant, de médecins, de les décourager par des bas salaires. Et pire, de continuer encore à fermer les hôpitaux permettra ainsi à l'épidémie de tuer. Ce que confirme encore toutes les mesures économiques et sociales décidées en faveur de l'épidémie. 1 million de travailleurs, de jeunes ont perdu leur emploi depuis mars 2020. Intérimaires, précaires, sont exclus. La pauvreté explose et les plans de licenciement annoncés devraient conduire à une suppression d'emplois bien supérieure à celle que nous venons de connaître. Des centaines de milliards sont distribués aux grands patrons qui les utilisent à leur guise et selon leurs besoins. Macron et son gouvernement, à coup d'ordonnance, organisent la déréglementation du travail, la remise en cause du code du travail et des statuts, abaissent les salaires. Ils remettent en cause les grandes conquêtes sociales de 1936 et 1945. La sécurité sociale, la retraite, les assurances chômage, la santé, l'enseignement et la recherche publique et la culture. La jeunesse est sacrifiée, réduite à la précarité. L'enseignement auquel les jeunes ont droit est disloqué, leurs diplômes sacrifiés, les facultés fermées. Des mobilisations ont lieu pour la réouverture immédiate des facultés. Les étudiants disent, tout le monde déteste les cours en ligne. Ouvrez les amphis, fermez les ordis. Ils ont raison, comme tous les professeurs et leurs organisations, les lycéens, les parents, quand ils exigent le rétablissement du baccalauréat. L'opinion selon laquelle le gouvernement ne peut pas faire autrement, où il ne fait que ce qu'il faut, il y a des erreurs, ne fait pas ce qu'il faut, pourtant il y a des erreurs, ne correspond pas à la réalité. Ce sont des leurres mises en avant pour le protéger. Le gouvernement cherche à faire exactement ce qu'il faut faire pour servir les intérêts de ceux qu'il représente. Malgré la peur et les inquiétudes légitimes, les interrogations, la réflexion, le refus et la recherche de moyens d'agir ne cessent de gagner du terrain. Malgré les miettes distribuées ici et là, chômage partiel par exemple, malgré le matraquage médiatique, de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui se forgent leurs propres opinions et cherchent à agir pour se défendre. Abrogation, retrait de toutes les lois et de tous les décrets liberticides. Retrait de la loi dite confortant les principes républicains qui stigmatisent les musulmans et s'en fâchent la liberté d'association. Retrait pur et simple de la réforme des retraites et de toutes les remises en cause de la sécurité sociale. Retrait de la réforme de l'assurance chômage. De toutes ces déclinaisons. Arrêt de la répression policière et de la chasse aux sorcières. Arrêt de toutes les remises en cause des droits des médecins, droit au débat scientifique, liberté de prescrire. Oh, plus de confiance au conseil scientifique et à la haute autorité de santé. Dissolution. Affectation aux hôpitaux et à la recherche publique des milliards d'euros de fonds publics détournés vers les capitalistes. L'expérience est là. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Seule la mobilisation des travailleurs, entraînant leurs organisations, de la population et de la jeunesse au coude à coude, sera capable d'imposer la satisfaction de ces revendications qui sont à même de
protéger les travailleurs et leurs familles de la maladie et de la misère sociale. Construisons ensemble cette mobilisation. Padroni bisogna cercare, sensibile grida via.